Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Les équipes sont arrivées il y a un peu plus d'une heure maintenant. Elles se sont échauffées dans de bonnes conditions. La pelouse est belle. Elle a été tondue juste à la bonne hauteur pour que le ballon glisse bien, aille rapidement. L'ambiance était plutôt bonne, malgré le ciel menaçant qui pourrait nous donner un peu de pluie plus tard. Mais pour l'instant, pas de gouttes. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Et coup d'envoi de ce match. Bien joué à droite, il faut aller vite. Ce sera une remise en jeu. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est joué long. Oh, intervention. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est joué dans la profondeur. Oh, l'occasion! Et le cadre se dérobe largement. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça lui réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Bouti qui est récompensé de son pressing. Il essaye de faire la différence côté gauche. Ce sera un centre. Quel jaillissement! Ça peut partir en contre. Il y a de l'espace. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. La passe dans la profondeur. C'est bien fait. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Mais il ne résiste pas au contact. Oui, ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. Le ballon dans la profondeur. Il accélère côté droit. C'est joué long, attention. Le bon dribble. Il choisit de centrer. Et c'était pas très bien dosé, ballon perdu. Ouf, un peu d'air. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. La défense a fait du super boulot, ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Donc ça va partir vite. Il cherche la profondeur. Il est passé. Allez jusqu'au bout. C'est enfin. Oh, qu'ils sont bien entrés dans cette seconde période. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et ça fait donc 1-0. Il est arrivé vite ce but quand même, hein. Certains joueurs n'avaient pas fini de se recoiffer. C'est une faute, l'arbitre intervient. Eh bien,
bien, sauf erreur de ma part, c'est la première... Faute, c'est indiscutable. Un peu de coaching, c'est bien. Dommage, c'est intercepté. Oh, très bon ballon. C'est bien intercepté. Ce contre peut très bien aller au bout. Faute, oui, faute. Et coup franc à venir. La frappe, attention! Yes, 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 yes! Bien vu d'avance, la différence est faite. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Ce but change quand même beaucoup de choses. À 2-0, on est quand même plus tranquille. Ça joue long, vers l'avant. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Bonne lecture de la trajectoire. L'ouverture sur le côté. Il y a danger. Oh, le tacle! Long ballon dans le sens du jeu. Il allonge le jeu. Coup de sifflet, hors jeu. C'est donc un double changement, hein, par équipe. Il quitte le terrain, applaudi par tout un stade. Quel match il a fait! Bah écoutez, il a fait son match, il peut être content de lui. Ça joue long. C'est reparti, ils peuvent contrer. Il y a peut-être un coup à jouer. Là, il a préféré jouer la sécurité. C'est récupéré. La longue passe. On joue sur l'aile, il est servi. Oh, quel geste! Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, le contre, l'arme fatale. Il est bien placé. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Voilà une bonne occasion de contre. Dans la profondeur. Il reçoit le ballon. Ça joue. Il centre dans l'axe. Le bon jaillissement. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Oh, quelle belle performance de leur part aujourd'hui. Franchement, on s'est régalé à commenter cette rencontre. C'était vraiment un superbe spectacle. Alors dites-moi, dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Un clean sheet et un match gagné. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'était vraiment une belle soirée, Darren. Un beau match, on s'est régalé. On se retrouve très vite. À bientôt. Tout le plaisir a été pour moi.
Bonjour et bienvenue, on est très honoré de vous retrouver pour cette rencontre. Les derniers préparatifs se terminent en coulisses. On a juste le temps de vous dire un mot sur les conditions de jeu. Il fait beau, il fait bon, la pelouse est parfaite. Espérons donc assister à un grand spectacle aujourd'hui. Les deux équipes ont du talent et vu les messages qu'ils ont fait passer dans la presse et sur les réseaux sociaux, on sait combien ce match compte pour eux. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Et ce match sera peut-être l'occasion de renouer enfin avec la victoire pour une équipe qui ne gagne plus. Oui, c'est un constat assez terrible. Hein. Je ne sais même plus à quand remonte le dernier succès. C'est long, trop long. Et la grogne commence à monter. Honnêtement, je ne sais pas quel est le problème. Mais entre les erreurs individuelles et le manque de réussite, bien pour arrêter cette série, il va falloir du changement. Oh, le joli coup de tête! C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment, en laissant autant d'espace sur les ailes. Il cherche la profondeur. Le centre devant lequel détente. Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Oviedo, qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai, on voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Mais dans quel but, à votre avis, Darren? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc, parce que c'est quand même très compact en face. Voilà une bonne occasion de contre. Oh, il faut s'appliquer sur ces gestes. C'était intéressant, cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. La bonne interception. Le bon ballon. Ça peut être extrêmement dangereux. Il est passé. Oh, le tir! Oh, la main ferme! La parade spectaculaire! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Premier corner dans cette rencontre. Danger repoussé pour le moment. Dans la surface. Un long ballon vers l'avant. Il se recentre. Il peut y aller. Oh, l'occasion! Oh, quelle frappe à quelques centimètres! Long ballon dans le sens du jeu. La longue passe. Bonne intervention. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer sur ce rythme. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. On parle, mais le jeu a déjà repris. Je suis sûr qu'on va assister à quelques changements. Ça pourrait modifier le cours de ce match. S'il le trouve, il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il s'enfonce, côté droit. C'est bien ce qu'il fait, là. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça. Il faut pas se rater. Bon service dans la profondeur. Jolie accélération sur l'aile droite. Oh, il sent... Et la tête! Le geste décisif. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue.
Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. C'est reparti, ils peuvent contrer. Dans la profondeur, bien vu. Ça peut aller au bout. Allez jusqu'au bout. C'est allongé. Il allonge, pourquoi pas. Bien servi. Il va frapper. Il peut frapper. Le ballon renvoyé par le poteau. Dommage, c'était pourtant bien tenté. C'est un bon tir, c'était bien tenté. Changement, ou plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang frais. Dans la profondeur, la passe dans l'axe. Il peut en profiter. Il y a danger. Il tire. Et ça rentre. Et s'il venait d'offrir la victoire à son équipe. Quelle intelligence dans la finition. Et l'entraîneur a eu raison de le faire rentrer, ça paye vite. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Bien, c'est reparti, ça fait 1-0. Ils ont pris le temps, mais les voilà devant. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent tenir jusqu'à la fin? C'est fort, sur l'aile. Il est sur le côté. Alex, qui est récompensé de son pressing. Il est côté droit, il y a un truc à faire. Oh, belle intervention, il arrivait lancé en plus. Allez, plus que quelques instants à tenir. Il y a peut-être un coup à jouer. La passe dans la profondeur. Attends sa chance. Oh, quel bel arrêt. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. Et voilà la belle occasion de changer le scénario de ce match. Il décide d'allonger le jeu. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Ils s'imposent. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Gagner sans prendre de but, c'est la base. Et à la fin, toute l'équipe est happy. L'attaque a réussi et les défenseurs n'ont pas lâché. Voilà un vestiaire donc plein de sourires. C'est la fin de notre après-midi football.
Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là, tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Ça joue long vers l'aile. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il est bien placé. Décisif à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Vidal qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Castellón de la Plana qui cherche l'étincelle. Ça joue long. Oh, c'est bien fait. Vidal. Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. Ça, c'est du jeu collectif. On passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Vidal qui en est désormais à 3 buts dans ce championnat. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Oh, le contre, l'arme fatale. Il peut profiter, Vidal. Oh, le gardien est là, la classe. Et voilà une façon de faire briller le gardien. C'est joué long. Bonne interception, il y avait danger. Il y va tout seul. Dans la profondeur, bien vu. Il peut frapper, il tire. Les amours de sa marque. Attention à ce rythme-là, ça va finir par faire très mal. Il était tellement bien placé, forcément, ça va au fond. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent à la perfection. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Il décide d'allonger le jeu. Dans la profondeur. Coup de sifflet, hors jeu. Fait pardonner, c'est joué dans la profondeur. Un centre. Oh, quel geste! La frappe! Ah, c'est manqué, manqué, il faut cadrer! Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Et ils essaient de repartir de derrière. Ça joue long vers l'avant. Il allonge vers l'avant. La bonne interception. Il cherche son coéquipier. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Il peut centrer. Passe interceptée. Sifflet, c'est la mi-temps. 3-0 à la pause. On vous laisse revoir tranquillement les ralentis, consulter les statistiques ou on va en profiter pour reprendre notre souffle. On parle souvent des joueurs offensifs, bien sûr, et ils ont encore fait la différence aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut saluer la défense parce qu'elle fait un sacré match jusqu'ici.
C'est un avantage certain, 3-0. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Et pour info, il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. Pablo! Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Castellón de la Plana qui a déclenché la polémique après sa dernière défaite, surtout sur les choix de son entraîneur. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il a fait des choix discutables, voire carrément suspects, si vous voulez mon avis. La longue passe, le bon dribble, et le ballon continue de lui coller au pied. Il n'était visiblement pas sur la même longueur d'onde que son coéquipier. Castellón de la Plana qui... Non, il n'a pas joué le ballon là. Dans la surface. Il récupère le ballon. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Et il jaillit pour prendre ce ballon. La passe est précise. Il a tenté, bien joué. Il ne se pose pas de questions. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis ? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Ça monte en intensité, là. Pablo ! Le bon ballon. Long ballon dans le sens du jeu. Un long ballon vers l'avant. Ça joue à gauche. Il allonge le jeu. Dans le dos. Et c'est un corner. Le premier corner du match. La tête, super. Ça, c'était une occasion, elle est manquée. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va lui faire du bien. Il relance, côté droit. C'est joué long. Et la bonne intervention. Sur la gauche. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Ils ont totalement dominé la situation aujourd'hui. Et pendant de longues périodes dans cette rencontre, c'est normal qu'ils aient gagné à l'arrivée. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire ne pouvait pas leur échapper aujourd'hui. Voilà, on doit malheureusement se quitter. Une très belle journée à vous tous et un grand merci à Darren Tulette pour la qualité de ses analyses. Encore une fois. Merci Grégoire, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. We'll be right back.
Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Il décide d'allonger le jeu. Rirona, qui est en grande forme en ce moment, ça tient à quoi selon vous ? Oui, il y a sans doute de nombreuses raisons, mais pour moi, c'est sûrement grâce à cet esprit d'équipe. Il y a une vraie cohésion dans ce groupe. La tactique semble parfaitement adaptée aux joueurs. C'était intéressant, cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Rirona, qui essaye de construire. Un centre tendu, à ras de terre. Oh, le contre, l'arme fatale. C'est joué dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Pas de hors-jeu, il y va. C'est parfait, magnifique. Le centre dans la surface, ça peut faire mal. Et le voilà, le premier but. Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus, il n'a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon, il est déjà trop tard. On y est, le compteur est débloqué. Il mène au score, maintenant il faut pas laisser l'adversaire revenir. Victor Sanchez, qui avait délivré une passe décisive pour l'égalisation de son équipe au match précédent. Oh, attention, la frappe! Et l'arrêt, magnifique! Et voilà une façon de faire briller les gardiens. C'est joué court à deux. Faut frapper là! Il rate le cadre. Tout seul, à cette distance, il doit vraiment faire mieux. Quelle passe! Il allonge le jeu. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. S'il le trouve, va-t-il en profiter ? Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'est vraiment passé tout près sur ce contre. Alors là, bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser ce geste. Et surtout, il fallait le réussir. Et oui, il faut couffrant. C'est osé. Ça joue long. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Dans la profondeur, bien vu. Ou que ça va partir vite. L'interception, c'était chaud. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Un petit but sépare les deux équipes, 1-0 à la pause.
Et on est déjà reparti. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Et pourquoi pas tenter de faire le break rapidement. Attention la frappe. La défense tient bon. C'est joué long, c'est dangereux. Stuani, ce ballon bien dosé. Il s'impose physiquement dans ce duel. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. Oh, le bon ballon! C'est bien fait! La longue passe. Il peut frapper! Il manque pas grand chose là! Quelle occasion! Et l'entraîneur fait rentrer le 109. C'est joué long. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Ce petit but d'avance fait leurs affaires pour le moment. Oui, il y avait bien faute. Carton jaune, oui, c'est logique. Dans la profondeur. On reprendra par un 6 mètres. C'est joué long. La passe est précise. La frappe. Et c'est un but. Oh, maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. Victor Sanchez. Ça joue à gauche. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. La passe dans la profondeur. Vidal ! Et voilà, but ! Voilà, qui met sans doute un terme définitif à tout suspense. Vidal, qui compte maintenant 4 buts dans ce championnat. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire, c'est mérité. Et récupération sans se livrer. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Waouh, une intervention magnifique. En plus, il était pas mal sous pression. Bonne lecture, intercepté. Giron pratique un beau jeu de passe, mais c'est un peu stérile quand même. Stuani. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Voilà une bonne occasion de contre. Bien, la profondeur. Il cherche la profondeur.
c'est fini. Le match est terminé. Festival des attaquants aujourd'hui. Ils ont fait mal. Ils ont surtout connu énormément de réussite. Le score peut en témoigner. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Un clean sheet et un match gagné. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. Grégoire, c'est moi qui vous remercie.